âmes qui rentrent dans le pays. Nous parlons de ce dossier ça qui est extrêmement important. Et puis nous commençons à parler justement par rapport à ces âmes qui rentrent dans le pays. Nous toujours parler des familles. Et bien là, nous avons plusieurs noms. Le monde sait qu'il y a des âmes en dans le pays, mesdames et messieurs Bagayo. C'est sérieux. Donc, nous parlons de parler avec Salomon Kounyala. Mais, ou même qui toujours dit, et ennemi, bandit ça ou gen pour goumen tout même, et bien, pas parler de bandit, non, ma parle au gros tête, et bien, c'est ça qu'a fait là. Sur tous les réseaux sociaux, l'un commence à dénoncer l'autre. N'a pas salué Salomon Kounyala. Bonjour Jimmy, bonjour internaute, n'a pas salué. Tout Haïtien qui vit à travers le monde, nous avons souhaité un bon vendredi, pourquoi pas, bon week-end à tout le monde, Jimmy. Oui, Salomon, on a déjà commencé, mais nous avons parlé là, et nous disons que ce n'est pas deux coups d'âme qui ont chanté, ça fait à peu près une heure de temps, deux heures de temps, pour ne pas dire trois heures de temps. Mesdames, Messieurs Bagayo, vraiment horrible dans la question. Et Monsieur Genève, puis Monsieur Jepep, et pour ne pas dire Gabriel, Bagayo, vraiment grave. Effectivement, oui, Jimmy, nous avons dit qu'il y a une bataille depuis plus passé un an entre GPEP et Genève. Mais je dis à là, de jour en jour, la bataille a commencé à prendre l'autre en plein. Nous attendons Jimmy Chérissier, alias Babek, lui-même, il est dans la bataille et il fait une bataille pour déraciner l'équipe kidnappée, ça y est, qui a kidnappé le monde. Nous ne connaissons Jimmy, mais selon toute information que nous gagnons pendant qu'il n'a pas parlé là, nous avons dit Genève, presque pour tout territoire, GPEP, il n'a pas de GPEP là, en parlant des cités solaires. Nous connaissons Genève là, il est composé de Chrysla et Tibois, il est composé de Iska, cité solaire, Jimmy Chérissier Barbecue, et composé de Tijunior, La Saline, il est gagné chez Méchant, il dit Genève là tellement en pile, et nous connaissons Basilade entre deux. Et pourquoi va Tigre 95 ans? Et bien, nous connaissons GPEP, nous connaissons Village de Dieu Iso, qui l'a appelé, nous connaissons Belin, et pourquoi pas, nous avons dit 400 Maozo, et il y a même parlé, équipe Gabriella, a dit son bataille du Mi, en pile quartier, eux-mêmes, ils ont fait alliance. Et bien, nous avons dit, c'est qu'il faut qu'ils ont cité soleil, bah, le bilan ne peut pas être plus lourd, parce que M. Genève, ils ont tellement été souviens, yo mette en parlant de si Gabriel dehors pour prendre tout territoire cité soleil là, il n'est pas possible pour équipe Gabriel là continuer à faire ça ouvrir, déclarer M. Genève. Mais yo l'autre bon, nous connaissons équipe Gabriel là, tout son équipe qui tellement chargé soldat là-dedans et allié le tout. Allié le tellement chargé monde, est-ce que ça est possible? Mais est-ce que ça va plus de victimes qui va gagner dans cité soleil par rapport au bilan que nous gagnons? Pendant qu'on a parlé de bilan tout, et Jimmy, nous avons un DDS qui a fait un bilan dehors par rapport au nombre de monde qui mourent en densité soleil. Et nous avons un DDS tout qui a fait un rapport dehors. Et bien là, en plus, le monde commence à dire un DDS, c'est quoi ce qui a fait pas la paix et a fait ce qu'on dit pas. Surtout, un DDS même dit, avec l'espérance que l'État se prend matériel. Nous avons parlé matériel pour des bails avec équipe Genève. Nous et pendant qu'on a parlé de ça, et bon, si je suis certain là, je pense que je connais plusieurs mouns qui ont envoyé audio ça pour nous, mesdames et messieurs. Je nous dis ça peut faire à peu près deux heures de temps, pour ne pas dire maximum trois heures. Et ce n'est pas des cartouches qui a chanté là. Évidemment, nous-mêmes, nous, ça dérange nous parce que si monsieur ça a gourmand tout même, c'est pas ça qui est grave là, non. C'est surtout innocent qui a tombé, c'est pas des monde qui blessé. Nous apprendre mesdames et messieurs, en nous tendant à peu près atmosphère, sincèrement déjà préparé parce que bagaille grave.
Mes amis, mais atmosphère, non, on a parlé là, Kounia, là, maintenant, qui est tapé, il y a, là, et mesdames, messieurs, là, nous disons justement, et c'est sûr, c'est un grand pile blessé, là. Ça, c'est simplement bon, contre M. Genefio, évidemment, avec M. Tigabriel, gros confrontation, et d'après Jean, nous apprenons, pas été en rien pour M. Genefio, t'as tout envahi zone, t'as tout pris et zone et Tigabriel. C'est ça qui m'a dit, nous pas confirmer, nous pas sous les lieux pour nous dire qui combien de monde qui mourit, qui va les monde qui blessé, mais simplement, bagaille vraiment grave. Mais au-delà de ça, mesdames, messieurs, j'en nous dis, eh bien, sous même dossier sécurité, hein, et Salomon, eh bien, base 400 Marozo, beaucoup de paris, c'est pas mieux, yo envahi, balché méchant, même cartouche n'a pas tendé, yo bagaille encore pire. C'est ça, c'est dans ça que nous y est là, Kounia là. Mesdames, messieurs, nos affaires de sécurité, hein, base 400 Marozo qui envahit base chez méchant, en pile coup de zame cap et détraillé là. Voilà. Allez, la Chine mandé avec Conseil de sécurité ONU, un embargo zame léger. La Chine demande avec Conseil sécurité ONU pour désarmer. La Chine demande avec Conseil sécurité ONU un embargo d'armes légères. La Chine demande avec Conseil sécurité ONU pour décider un embargo sur armes légères pour Haïti. Sanctions individuelles. Contre chef gang et même appuyé yon envoi de yon force de police régionale. Le pays de régional là. Abi est un domaine dans zone. Dans le pays, nous connaissons le pays qui gangrené par violence. Yon même parlé, mais ça yon, nous pouvons inscrire dans le cadre renouvellement mission politique ONU qui a expiré vendredi. On en a parlé là. Deux pays responsables dossier Conseil de sécurité, États-Unis et Mexique. Ils n'ont pas même prévoir pour aller loin dans le projet initial, résolution ou une négociation qui a poursuivi jeudi sur le sujet. Ils ont même tout ça. Sanctions individuelles ont inclus interdiction de voyager avec en pile l'argent. Ils ont même parlé selon projet texte qui a obtenu selon AFP qui n'est pas encore définitif. Il n'y a aucun commentaire qui va faire dans l'immédiat après États-Unis et Mexique. Ils ont voté initialement pour avoir fait mercredi. Mais ils espéraient, je dis même, ils ont fait parce que le dossier haïtien n'est pas venu. Pékin. Il vient devenir un acteur clé dans la dernière année dans l'ONU, notamment pour assurer la diplomatie en raison de connaissance de Taïwan et Port-au-Prince, non acceptée par la Chine. Une cause. L'autre cause encore dans la question de diplomatie. Dans le passé, Pékin restait tout lié avec Taïwan. Il montrait le virer dans la réunion pour dénoncer un pays qui enfonçait dans la crise politique et économique, en dépit des multiples aides internationales, engagement l'ONU via multiples opérations, la paix menée par la case bleue pour lutter contre le trafic d'armes en Haïti, déclaré pays latin. Pour lutter contre le trafic d'armes en Haïti, poussé par autorité politique et sorti une stratégie menacée des sanctions judiciaires avec responsable qui a estimé violence, indiqué AFP, une source diplomatique chinoise qui nous capable de parler. Projet texte qui prévoit une reconduction jusqu'au 15 octobre 2023, mission politique là, qui a appelé Bini et créé en octobre 2019, qui exigeait partie haïtienne un accord urgent dans 6 mois, côté pour définir un cadre, un nouveau processus politique qui a mené avec élection présidentielle, législative et un embargo sous armes légèrement qui a concerné tout munitions et qui a visé
mettre un coup d'arrêt dans le trafic et enlèvement contre rançon. Là, je n'ai pas pensé pour nous. Qui est capable de devenir monnaie courante en Haïti. Résolution, il a exigé tout. Par ailleurs, il y a un arrêt immédiat dans la violente activité criminelle, dans le fin blocage route, dans des occupations de bâtiments publics. Et un jeune groupe prend par la justice là. Pékin, il réclame tout que texte, il demande avec le secrétaire général Onion pour engager consultation avec pays dans la région et des organisations régionales pour soutenir la police haïtienne qui fait écraser, qui fait dérailler. Et prévoit même pour le déploiement d'une force police multinationale pour ramener la paix dans le pays et protéger les droits de l'homme dans le pays qui ne pas respecté. Au moins, 49 personnes déjà tués dans une semaine dans l'affrontement entre gangs dans Port-au-Prince, capitale d'Haïti. Je parle de prix. Côté, nous avons volé 40 en parlant de gaz, traitement gaz qui aggravait toujours dans un avantage. Menaçant, il va être humanitaire, pourtant qui vraiment nous attend. Pays, la Chine, lui-même, par rapport à 700 ans, lui demande en plus de pour Haïti, lui demande un, pour qu'ils soient criminels, qu'ils soient kidnappés, qu'ils soient, il y a même un groupe pour qu'ils soient définis. Prince, est arrivé en Haïti sous la franchise de l'église épiscopale d'Haïti selon le commissaire du gouvernement. Et nous allons parler avec le commissaire du gouvernement plus. Nous allons parler avec Monseigneur Auger Beauvoir. OK. Et depuis avant-hier, dans la soirée, l'information était déjà virale donc sur les réseaux sociaux, madame, monsieur. Et hier matin, nous étions très prudents. Mais dans le titre que nous avons sous table là, sous question ça, on dit que saisie d'armes dans Port-au-Prince, l'église épiscopale d'Haïti est donc indexée. Nous devons faire débat sur lui. Mais on dit tout que après tant de fins journées pour nous connaître, parce que c'est une information que nous ne sommes pas capables de confirmer, donc ni infirmer. Mais nous sommes clairs dans notre état et que l'église épiscopale d'Haïti est que indexée pratiquement donc, sous question ça. Nous t'apprenons plus tard à la fin donc, de l'émission. Eh bien, donc, l'église épiscopale d'Haïti a fait une note pour dire qu'il n'y a pas gagné pour louer dans la question des âmes qui viennent et que lui expliquer qui gens yo même yo qu'on utilise franchise pour commander. Donc, et ça a commandé donc, sous Haïti. Et puis, un petit peu plus tard, le commissaire du gouvernement, M. Maître Jacques Lafontaine, a confirmé qu'effectivement, les âmes qui rentrent dans le camp de Néa, c'est des âmes qui rentraient donc pour, et en bien entendu, sous nom, l'église épiscopale d'Haïti. En tout cas, matin, nous allons parler avec le commissaire Jacques Lafontaine, et puis ensuite, nous allons parler avec le monseigneur Auger Beauvoir. Commissaire Lafontaine, bonjour, bienvenue à l'émission Matin Débat, comment vous êtes? Bonjour, Lucas, bonjour, l'autre panélicien, et bonjour tout auditeur qui attendait l'émission, très écouté, émission Matin Débat. Ok, qui l'autre apprend que gagne des conteneurs suspects dans la douane et que tu as gagné des âmes également d'autres produits légaux et que c'est important pour aller sur les lieux. Comment tu apprends ça? En principe, les locaux, les cigares, et la loi fait obligation à toute personne, tout individu qui t'a tendé ou est actuel et ont infraction qu'à commettre dans l'étendue de juridiction commission gouvernement. Les dons, il peut dire pour l'informer. Eh bien. C'est dans ce sens que le directeur doit l'intérêt. Il a dit que voilà, au moment d'une opération de vérification et de contrôle, il y a un conteneur qui était destiné à l'église épiscopale d'Haïti. Il a retrouvé quelque chose sur la dame. Maintenant, comme il se faisait tard, il a été refermé le conteneur. Eh bien. Et puis hier matin, nous, accompagnés de unité BLTS de CPJ avec Jules Pendesson. Et maintenant, nous avons procédé à vérification conteneur et suivi d'une opération de saisie. Et voilà maintenant, une opération qui était faite sous chaud soleil. Et nous avons en même temps objet cible d'attaque
mais on a tiré en pile en bas, grâce à Dieu, nous sortis ce soir. Ok, là, dit pendant l'opération, donc les bandits attaquent nous. Nous n'avons pas de attaquer nous, mais il y a des tirs assez nourris dans la zone, dans les parages. Mm-hmm. Mais grâce à Dieu et grâce au professionnalisme de l'unité spécialisée de la vie sauve, nous sortis. Très bien. Bien. Qui sont ouais dans le conteneur, commissaire Jacques Lafontaine? Bonne question. Maintenant, dans un inventaire et partiel, nous avons pu découvrir soit 19 armes automatiques, mm-hmm. en 12 et 6 armes de poing et 120 cartouches de différents calibres, mm-hmm. et plus presque 20 000 cartouches de différents calibres. Parmi ces armes automatiques, nous avons au moins 6 là-dedans qui répondent à spécification armes qui portaient cartouches 7.62. C'est-à-dire c'est AK-47 et cartouche ouais, 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 762. Hein. Et moi, je ne suis pas expert en armes, c'est mm-hmm. police qui a pas moins comme consultation. Donc, dis-moi, c'est cartouche, ça y est, là, ouais, blindé pour la police et gagne un pack balle sous vitre. Hein. Mm-hmm. Non, mais c'est cartouche, ça qui va qui un pack balle. Donc, c'est de gros cartouches mm-hmm. qui fait gros dégâts sur machine. Donc, c'est des armes de guerre. Armes de guerre, normalement. Armes de guerre. Très bien. Maintenant, comment quand on est arrivé en Haïti? C'est qui est-ce qui, aujourd'hui, a donc rentré avec Zamzao dans le pays d'Haïti? Est-ce qu'effectivement, l'Église épiscopale d'Haïti, donc l'indexé dans le dossier ça? Bon, maintenant, Louko, René Lepape disait, on ne peut pas discuter l'évidence. Très bien. L'évidence reste l'évidence. Très bien, c'est clair. C'est-à-dire, ce qui est évident pour nous autres, arriver à CPS1, dans le port, dans le douane, côté débarqué conteneur, nous, on a manifesté là, et avec, à la lecture de toute autre pièce qui constitue le dossier, ça, nous, ouais, il s'agit de l'église épiscopale qui était destinée, et c'est était destinée à contenir ça à lui-même. Très bien. Donc, noir sur blanc, c'est ça lui.